Bizimana kati ya Washington. Balobi mama mardi ne. Mama mardi ne. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso. Biloko ya ya ni yo Congolais. Olingi ne kola yo. A sali sa yote. Pona kolia na yo. Moko babone la yo. Pona mtoto na yo. Moko ya ele. Poko babone la yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es qu'à. Tout à kola na basiwa. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Pour pas tout comprendre, mawa. Bah Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous moko. Bah quoi les radis? Coriana, appétit. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, on parle essentiellement leadership et le sens même du leadership. Son avantage dans ce pays, son avantage dans une société, on en parlera un peu de tout. Mais avec l'évêque Ejiba, je rappelle que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, on a parlé d'une conférence qu'il était en train d'organiser. Cette conférence que vous avez certainement suivie dans nos médias, vous avez suivi dans Elite Télévision, vous avez suivi dans Congo Buzz, les deux chaînes ont finalement montré l'intégralité de la conférence avec des orateurs comme le pasteur Godet, des orateurs comme le député provincial Peter Kazadi, le conseiller du président de la République. Bref, vous avez entendu tout ça. Alors, je reçois l'hôte, l'évêque Ejiba. Comment allez-vous? Christian, je vais très bien. Merci de ce que nous venons là. Une façon de dire à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup d'avoir été attentifs. Et aussi pour moi-même, une façon de te dire merci parce que tu avais promis que tu allais nous accompagner. Effectivement, tu as tenu parole. Et or, c'est aussi là une qualité de leader parce qu'un leader se remarque par sa possibilité de tenir parole et surtout de promettre de réaliser. Donc, une fois de plus, merci. Je sais que tu n'as pas été toi-même présent, mais un leader n'a pas besoin d'être présent à tout moment, mais juste les gens qui collaborent avec lui, quand ils sont présents, ils le représentent. Il fallait vous accompagner parce que le thème était déjà très important, accroître et influencer le leadership de quelqu'un, mais c'est tout ce dont on a besoin dans ce pays. Comment ça s'est passé l'ambiance? Bon, l'évaluation est toujours fonction des objectifs. C'est là qu'on peut savoir, parce que je vais te donner un exemple, Christian. Vous êtes des amis et vous travaillez tous quelque part, vous avez le même salaire. Avec ton salaire, tu dis, je vais acheter une belle voiture, et puis l'autre dit, bon, moi, avec mon salaire, je vais un peu économiser pour m'acheter un lopin de terre. Vous sentez déjà que les deux objectifs sont différents. Maintenant, ce que nous voyons, vont nous évaluer peut-être en fonction de ce qu'ils voient. Mais l'homme qui, lui, seul est appelé à s'évaluer, doit s'évaluer en fonction de ses objectifs. Pour dire, celui qui voit Christian déjà en voiture après 3 mois de travail, dira, « Ah, Christian Mati, Mikolo Mouké, tu vois déjà, il roule carrosse. » Et des fois, on dit l'autre là, « Ah, il y a un bon auto-hébité, il fait de cela quoi ?» Mais 6 mois plus tard, c'est l'autre qui dira, nos deux objectifs étaient différents. Voilà, il y a plusieurs conférences qui se déroulent et nous nous évaluons en fonction des objectifs que nous nous étions assignés. Quels sont? Premièrement, c'était de communiquer les informations que nous avions trouvées utiles. Cela a été fait. Deuxièmement, c'est pour poursuivre l'objectif d'avoir un leadership de qualité. Et là, il fallait donner des informations de qualité. Bon, ça fait partie des stratégies que nous avions mises en place pour que la qualité soit au rendez-vous. Nous l'avons fait.
Et également, nous nous étions dit que c'est vrai que je suis pasteur, que nous n'allons pas seulement nous adresser aux hommes d'église, mais nous voudrions nous adresser aux hommes politiques, aux hommes d'affaires, donc du monde économique, et également aux hommes de la science, notamment les professeurs d'université, et j'en passe. Nous avons atteint cet objectif. Je crois, si tu connais certains visages, déjà, les films pouvaient te montrer qu'il y avait les professeurs d'université au rendez-vous. Nous avions des hommes politiques au rendez-vous. Il est vrai qu'il y avait, bon, c'était aussi un moment très complexe pour les hommes politiques parce que ça coïncidait avec l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais, en tout cas, nous avons pu atteindre ces objectifs-là. Maintenant, quant aux informations, nos orateurs étaient présents. Bon, il y a un qui n'a pas pu à cause de la distance parce que je fais référence au révérend Espen Bakadi qui s'était déplacé pour le trajet et là il a subi la loi de quarantaine qui il devait, parce qu'on souscrit, quand vous voulez voyager au Canada, on vous pose des questions. Est-ce que vous êtes d'accord de faire la quarantaine et quand vous acceptez, vous devez. Et voilà ce qui a fait que en lieu et place, un professeur d'université du département de sociologie a accompagné. Il s'agit du professeur David Loubeau qui lui a parlé des résolutions de conflits parce que le leadership et les conflits, ça marche toujours ensemble. Alors parlons de chaque point maintenant, les thématiques développées et leur ancrage et leur accueil dans la population. Je parle du public. Qui était le premier orateur? Le premier orateur, c'était l'honorable Peter Kazadi. À cause de son agenda, c'est moi-même qui devais. J'ai dit, bon, ton agenda est si complexe. Et puis, je lui ai cédé ma place, bien sûr, en introduisant pour donner la vision de la conférence là-dessus. L'honorable Peter Kazadi a parlé de l'influence dans le contexte d'un état de droit. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Concrètement, il essaie d'adresser aux participants en montrant que quand on a une influence, nous devons savoir qu'en tant que leader, nous devons travailler pour le bien des autres au lieu d'utiliser notre influence pour mater les autres. Et il a montré le savoir que quelqu'un est appelé, ou chaque citoyen est appelé aussi à connaître ses droits. Parce qu'il y a des moments que les gens ne connaissant pas leurs droits, et des fois, les autres utilisent de leur ignorance pour pouvoir les supplanter. Et ça a été vraiment bien accueilli. Et il a montré aux uns et aux autres que dans un état de droit, c'est le respect des textes. Dans un état de droit, c'est le respect du droit de l'autre, comme nous le savons, que là où s'arrêtent tes droits, commencent les droits du prochain. Alors, mais quand on dit dans un état comme celui-ci, le thème de Peter Kazadi, est-ce que vous n'éprouvez pas des difficultés lorsque vous invitez à la fois les politiciens et les pasteurs, ainsi de suite? Est-ce que chacun d'entre eux ne tire pas les draps de son obédience, de son côté? Est-ce que vous ne perdez pas cette neutralité-là dans la manière de faire? Non, un leader, vous savez, quand j'enseigne le leadership, je dis toujours qu'il y a une différence entre le leader politique et le politicien. Qui est un politicien? Le politicien est celui qui ne vise que ses intérêts. Le leader politique est celui qui vise les intérêts de la communauté. Et donc, lui, comme député pour la ville et province de Kinshasa, donc il était devant les habitants de sa province et c'était une personne attitrée d'autant plus. Vous savez, Christian, dans le leadership, nous aimons que les leaders comprennent qu'on peut avoir une tête, mais avoir plusieurs chapeaux. Et ça signifie quoi? Vous savez, nous avons dans notre temps ici, les uns portent, je ne sais pas, Borsalino, les autres portent les Mounieré, mais la même tête. Mais c'est à l'homme de savoir
quand est-ce que je mettrai le borsalino, quand est-ce que je mettrai le mounieret. Et donc, quand le leader comprend cela, celui qui écoute se dira, ok, maintenant j'écoute cet homme parce qu'il est conférencier, donc je ne peux pas lui dire parce qu'il est de telle tendance, je ne l'écouterai pas. Et de la même manière, celui qui parle doit aussi savoir qu'en ce moment, j'ai les gens de plusieurs bords, les gens qui viennent de plusieurs tendances. C'est comme à l'église. À l'église, le pasteur est appelé à comprendre que ses fidèles, tous ne sont pas de sa tendance politique. Chacun dit, en tout cas, monsieur le pasteur, je crois en toi comme mon pasteur. Quant aux convictions politiques, peut-être j'ai réfléchi d'une manière. Mais il est vrai qu'il arrive parfois que le pasteur a une telle influence qu'il y a certains fidèles qui croient en leur pasteur et qui disent, même si je ne comprends pas, ce que mon pasteur dit est la vérité. Pourtant, c'est là même le nez du problème. C'est là le nez. Parce que si le pasteur lui-même a un problème de choix, si lui-même choisit ethniquement, claniquement ou tribalement, eh bien, ceux qui vont suivre ne suivront pas un bon choix, mais plutôt un choix délétère. Oui, voilà pourquoi notre conférence était très utile. Cela a fait que, dans ce qui me concernait, j'ai parlé dans mon sous-thème les principes qui peuvent aider le leader à accroître et à pouvoir aussi être capable de maintenir son influence. Parce que avoir de l'argent est une chose, mais conserver la richesse en est une autre. Dans cet aspect des choses, avec tout ce que tu dis, nous avons aidé les gens à comprendre que le leadership, par sa façon de compréhension générale, nous établissons la nette différence entre les leaders et les managers. Donc, quand les gens ont mis un certain nombre d'informations, ils peuvent voir que celui-ci parle parce qu'il est dans l'équipe du leadership ou bien parce qu'il est lui-même leader. Quand on établit cette différence, je donne un exemple. Nous sommes au gouvernement, ça fait déjà le leadership. Or, tous nous ne sommes pas les leaders parce que nous sommes au gouvernement. Il y a certains qui sont des leaders, mais il y a les autres qui ne sont que des managers. Comment on les saura? C'est le moment qu'ils sont en train de travailler que l'on peut se rendre compte. Est-ce que cet homme est-il leader ou bien c'est un manager qui se retrouve dans le leadership? Parlons-en alors. C'est quoi la différence entre un manager et un leader? Je vais, comme je puis dire à tous les conférenciers, je montrerai que le leader est celui qui mobilise les autres pour la cause, donc pour la vision, mais tandis que le manager est celui qui supervise les autres pour l'accomplissement des tâches. Deux mots s'imposent. Il y a vision et de l'autre côté, il y a tâche. Et quand les uns sont en train d'opérer, c'est là... Excusez-moi, Christian, si je peux dire quelque chose. En ce moment que les tractations politiques sont en train de se dérouler en vue de la formation du gouvernement, le président de la République, qui est le chef de l'État, en tout cas est appelé à dire, que ce soit l'informateur ou au formateur ou au premier ministre, que parmi les critères, que l'on ne puisse pas seulement voir qui est le militant de première heure, mais que l'on dise quels sont ces critères qui nous permettent d'avoir des gens, un, qui comprennent la vision du chef de l'État, deux, qui sont capables de communiquer cette vision, trois, qui sont capables d'être en mesure de produire les résultats. C'est là que j'ai enseigné ce que nous appelons le leadership fondamental. Le leadership fondamental est basé sur trois éléments principaux. Ces trois éléments qui sont, un, la vision, deux, l'action, et trois, le résultat. Et donc, partant de là, il doit également dire à cette équipe, quand l'équipe sera mise en place, que nous ne voulons pas rester, demeurer au degré du leadership fondamental, mais nous devons évoluer. Cette évolution
permettra qu'on amène les gens à ce que j'ai enseigné à la conférence, le leadership adaptatif. Donc, des personnes qui sont capables de se réinventer. Et par là, si eux-mêmes peuvent se réinventer, ils le peuvent aussi réinventer la société. Allez-y. Oui, je disais par réinventer la société, le leader qui est-il? J'ai dit aux participants à la conférence que le leader crée le futur. C'est-à-dire, le futur n'a pas encore existé, mais il se trouve dans la tête du leader. Et c'est par là que le leader est capable de créer le futur pour l'organisation, créer le futur pour la population. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que le président de la République voit pour le Congo et pour les Congolais. Et là, ce sont ces collaborateurs qui vont permettre que cette vision-là se matérialise. Alors qu'il faut qu'ils partagent la vision du président. Il faut qu'ils connaissent la vision, il faut qu'ils la connaissent. Ou alors il faut qu'ils soient outillés pour ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent t'accompagner, mais qui ne sont pas assez outillés pour matérialiser votre pensée. Non, dans cet état de choses, on ne peut pas demander au président d'être tout à la fois. C'est là qu'on fait recours au personnes qui peuvent avoir de la matière. Qui, même s'il n'est pas membre du gouvernement, il peut venir pour donner quelques éléments, quelques informations qui peuvent être utiles pour que les gens qui sont commis à la tâche soient capables de mener des actions et que ces actions ont pour objectif la réalisation de la vision du chef de l'État. Mais qu'est-ce que nous observons parfois? L'homme qui est commis à la tâche, tout ce qu'il se retrouve dans ce qu'il fait, c'est quand il passe à la télévision pour dire, sous l'impulsion du chef de l'État, nous travaillons pour accompagner le chef de l'État en vue de réaliser sa vision. Mais il n'est pas capable de dire qu'est-ce qu'il fait concrètement pour que cette vision-là se matérialise. Mais est-ce que la vision elle-même est réelle? C'est ça aussi un problème. Ceux qui disaient accompagner Kabila dans sa vision nous donnaient parfois des slogans. Et à un moment donné, il y avait une confusion entre le slogan, la devise, la vision, le souhait et la volonté. Il y a un tel mélange, à un moment donné, on se perd. On ne sait plus exactement c'est quoi la vision du chef. Oui, on ne sait plus. Je disais que le visionnaire ou le leader qui est en premier, ou que nous appelons la ligne de front, lui, il le donne, c'est comme tu es là, tu es journaliste, tu dis à l'homme, qu'est-ce que tu veux dire à ceux qui nous suivront à la télé? L'homme te donne juste une idée, et puis toi tu dissèques cette idée que pour que ça devienne consommable, pour que ceux qui nous suivront, d'abord pour le bien de ta télévision, que tu ne perdes pas de tes téléspectateurs parce que tu as amené quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de la tâche, et donc voilà comment il faut le faire. Pour dire que oui, le chef, il dit, ok, voilà, je veux. Je donne un exemple, qu'est-ce que nous appelons la vision pour être plus concret. Nous voulons que le Congo puisse changer de physionomie. Quand nous parlons changer de physionomie, que quand un Congolais est dans une frontière, quand il sort les passeports congolais, que l'on dise « Ah, on les respecte ». Pas que quand un Congolais présente son passeport, on lui dit « Double check ». Pourquoi? Parce que c'est un Congolais. Mais les autres nationalités, vous comprenez déjà, là, on dira à un secteur donné que pour redorer l'image du Congolais, toi, monsieur le ministre qui est dans tel secteur, occupe-toi de ça. Deux, nous ne voulons pas que l'on dise la capitale, Kinshasa, dans son état de salubrité, se retrouverait. Donc, rendre Kinshasa propre. Qui peuvent, et là, on ne mettra pas des slogans, on mettra des personnes appropriées qui vont expliquer comment Kinshasa peut devenir propre. C'est pourquoi avant qu'une maison ne soit construite, ce ne sont pas les matériels qui viennent en première position. C'est d'abord le canevas, le plan, l'image de la maison à construire. Et on présente à celui qui a la vision et qui dira, oui,
Bon, cette maison que vous me présentez là, là c'est l'architecte qui a travaillé. Et je vois qu'à l'endroit là, je ne pensais pas que ça soit pareil. Est-ce que vous pouvez corriger cela? Et voilà pourquoi nous disons que quand le leader est là, il communique la vision, ceux qui sont avec lui sont et à leur tour les communicateurs de la vision du chef. Et parce qu'ils sont commis à une tâche, ils le font en fonction de la vision pour mener des actions. Et ces actions seront jugées en fonction des résultats. Alors aujourd'hui, est-ce qu'un pays se développe avec des leaders ou le pays se développe avec des managers? Un pays se développe avec ceux qui savent marier les deux, et le leadership et le management. Vous avez dit que le leader, c'est celui qui a la vision. Yeah. Et puis les managers, c'est celui qui supervise la vision. Exact. Alors, quand on parle de supervision, j'entends vision. La supervision. C'est quoi la véritable différence? La différence, c'est l'accomplissement de la tâche. Celui qui est commis, nous voulons construire l'autoroute. Oui. Et cela se trouve dans la tête du visionnaire. Maintenant, le superviseur, quand il arrive, il doit avoir des notions du leadership, c'est-à-dire comprendre la vision du visionnaire, si c'est la tautologie qui est bonne. Maintenant, les actions qu'il mène, les tâches. Donc, je parle bien des tâches. Le visionnaire mobilise les hommes, mais tandis que le manager est en train de superviser ceux qui accomplissent les tâches. Alors, le visionnaire. Mobilisation et surveillance des tâches. C'est ça les deux verbes que j'entends. Ouais. Les leaders mobilisent. Voilà. Et le manager supervise. Ouais. Alors. Mobilise les gens vers la direction. Vers la direction. On veut bien. Ok. Alors, soyons concrets. Ouais. Est-ce qu'un leader peut-il être manager? Est-ce qu'un manager peut-il être leader? Est-ce quand on est leader tous azimuts? Ou on est leader par rapport à un secteur? Et que dans un autre secteur, on peut être manager, alors que le manager qui est dans un secteur A peut être leader dans un autre secteur? Expliquez-nous un peu. L'explication est simple. Oui, un leader doit être en même temps manager. Mais tous les managers ne sont pas forcément des leaders. Voilà la réponse. Ok, mais si dans ce cas, est-ce que le leader, c'est un atout de naissance ou c'est un processus? On apprend à être leader. Est-ce qu'on est né leader ou on apprend, on devient leader? La réponse précise est celle-ci. Les uns sont nés leaders. Je dis bien, les uns naissent en étant leaders. Vous le voyez depuis l'enfance, vous trouvez que celui-ci est écouté par les autres sans difficulté. Les autres les suivent sans difficulté. Maintenant, c'est lui qui est né leader. S'il ne développe pas son leadership, il aura des problèmes. Deuxième réponse, oui, on apprend aussi à devenir leader, qui signifie celui qui est en poste de manager parce qu'il a des personnes qui l'entourent, il peut développer les compétences, il peut développer les capacités pouvant les permettre à devenir aussi leader. Ils sont les leaders, oui, et ils peuvent les devenir en apprenant les compétences nécessaires pour le leadership. Est-ce que le leadership est transmissible? Le leadership est-il transmissible? Là, la réponse est mitigée. Pourquoi elle est mitigée? Parce que, c'est là, je vais un peu aller plus loin. J'avais promis à nos conférenciers qu'on devait apprendre le VIP, qui est « Very Important Person », et le VIP, qui est « Very Influential Person ». Alors, dans ces éléments-là, les gens confondent. Est-ce que toutes les personnes importantes sont-elles en même temps des personnes influentes? Nous disons non. La différence se trouve être. Moi, je peux donner de l'importance à quelqu'un à cause de son apparence. Mais en réalité, il n'a aucune influence en dehors de l'apparence qu'il se donne.
Mais ça, c'est déjà ça l'influence. Non, non. Alors qu'on le définisse autrement. Non, l'influence, c'est la capacité de faire en sorte que les autres se reconnaissent en toi pour ce que tu as fait pour eux. C'est ça l'influence. Oui, mais ça, vous dites ça parce que vous calquez ça comme ça. Mais tout c'est... Mais il faut comprendre. Elle... Non, je vous prends un exemple simple. Ouais. Mais les voleurs, ils ont influencé des gens. Ils ont influencé des gens dans le mal. Le diable influence les gens dans le mal. Dans le mal, oui. Que l'influence est une variable. Elle peut être positive, elle comme peut être négative. Négative. Oui. Alors là, l'importance se révèle être plus dans l'apparence que dans l'être. L'influence se trouve être dans l'être. C'est ainsi. Celui qui influence les autres pour le mal, ça veut dire dans son être, les uns le suivent, mais pour le mal. C'est une influence. Oui, donc alors, en ce moment... Il n'est pas important ouais. Parce que... Non. Alors, donc, je demande, c'est pour dire que quand vous dites qu'il faut être very important person... Qui est very influential person, alors, voilà ce que nous voulons enseigner aux gens. Alors, si vous voulez dire... Alors, il faut signifier que l'influence dont vous parlez, c'est la bonne influence, c'est pas la mauvaise. Parce que le Congo, avec tous les politiques... Aujourd'hui, si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, ouais. Avec 500 partis politiques et moins d'entreprises publiques, ouais. Pardon, moins d'usines, c'est parce que les politiciens ont influencé toute une génération. On s'est dit que l'argent est facile là-bas. Fais tout, je vais devenir politicien pour m'enrichir, pour avoir les immunités, pour avoir l'argent, pour avoir des avantages, pour être hors la loi. Très bien. Ça, c'est une mauvaise influence, mais ces gens-là sont influents. Je continue la pensée, puis je vais répondre pour que nos téléspectateurs comprennent. Je dis juste une question parce que je me dis que, regardez par exemple dans le quartier, une fille qui ne travaille pas, mais qui se paye une voiture, qui loue une maison, qui nourrit sa famille, alors que cette fille est une prostituée. Et tout le monde sait, c'est comme ça. Ouais. Et toutes les jeunes filles font la même chose. Et leur maman même disent ça. Ils disent, mais, binoua quoi, c'est quoi, binoua quoi, t'as l'air de quoi, binoua clarisse, yekuna, vinero bonga, avant la malam. C'est une sorte d'influence négative. Alors ces gens-là sont aussi des very influents, comme je vous dis en anglais, et puis personne, c'est la même chose. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi. L'influence négative existe, l'influence positive existe. Ouais. Maintenant, nous disons les deux. C'est-à-dire celui qui vole ou qui se prostitue pour ceci, et les gens suivent son exemple, il a influencé ces gens-là dans ça. Un exemple que donc, je vais te donner. Donc si le leadership se définit par l'influence, il est leader alors? Oui, oui. Oui, c'est un leader. Donc, il y a des faux leaders et des bons leaders. Mais comment? Quel exemple? J'ai un mauvais exemple, mais qui nous donne la compréhension. Les Kuluna, par exemple, ils ont des leaders, c'est-à-dire... Vous pouvez parler, ils ne vous écoutent pas, mais un autre arrive, dès qu'il parle, tout le monde dépose les machettes. Or, c'est un leader, c'est leader dans le mal qu'ils sont en train de faire. Et je vais donner un exemple. Je présente celui que nous avons appelé, il nous a quitté, Papa Wemba. Papa Wemba, il s'habillait de la manière dont tous nous connaissons, on l'appelait le roi de la sable. Il a influencé les gens dans ce domaine-là. Maintenant, les autres qui veulent se faire importants, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que parce que tu t'es habillé comme Papa Wemba, que tu es devenu immédiatement influent? Non! C'est là l'importance. C'est-à-dire, celui qui le voit peut directement lui dire, ah, il s'est habillé comme tel. Et il lui donne une certaine importance. Mais lui-même n'a aucune influence. Pour dire, l'importance, c'est ce que les autres nous donnent, mais l'influence, c'est ce que nous sommes. Alors, c'est vrai que dans le monde du leadership, c'est à un moment donné dogmatique, parce que parfois vous restez dans vos propres définitions et dans vos propres compréhensions des termes, on peut comprendre ça, mais est-ce que c'est universel? Est-ce que c'est... Parce que la question aujourd'hui, c'est quand vous dites influence, c'est un mot français. Donc, quand on dit influence, on pense à une vague de suite, on vous suit, à un impact quelconque. Ça peut être dans le mal, ça peut être dans le bien. Uh-huh. Alors, dites-nous, Jésus était quel type de VIP? Ah, voilà, vous m'amenez quelqu'un de merveilleux. Oui. Jésus était un influential person. Je vais vous démontrer. Il n'avait aucune position officielle, mais pour mettre la main sur lui, les gens se disaient, tirez attention, c'est-à-dire, il avait une influence même sur ceux qui étaient contre lui.
Je vais aller plus loin. Je donne un exemple. Mandela. Mandela, tu vois, à un moment donné, il n'avait aucun poste au gouvernement, mais vous sentez qu'il pesait beaucoup, c'est ça l'influence, il pesait beaucoup sur les Blancs, sur le Noir qui était ses compatriotes. Un homme comme Abraham, Abraham de la Bible, c'est un homme que nous appelons influential. Pourquoi? Lui seul, les musulmans l'acceptent. Abraham, les chrétiens l'acceptent, Abraham, les judaïstes l'acceptent. Voilà un homme d'influence. Je vais continuer pour être plus pratique. Mais il y a beaucoup d'exemples contraires à ce que vous dites. J'en arrive. Oui, d'accord, on arrive. Ouais, ouais. Nous sommes à notre État, par exemple, en République démocratique du Congo. Tu prends un homme comme Étienne Tshisekedi. À un moment donné, il n'avait aucun poste administratif. Vous sentez que quand il veut parler, même ceux qui sont au gouvernement se sentent influencés par ce qu'il va dire. Je vais te donner un petit exemple. À un moment donné, quelqu'un, un journaliste, trouve un politicien. Il dit, mais vieux, Mikolo, yo, bole kite mpo na ba émission. Alors, il dit, ah, tozo ak makambo ya kosala, ce qui vient y allumeter, tango lobby, alors on est tozo imo matière. Et, Mikolo yo, afin de calme, ça a colobaté, alors, moyen, tous en matière. Tu vois cette influence-là? C'est ça, c'est même celui qui ne veut pas de toi est en train de sentir que tu pèses sur lui. Mais c'est discutable, évêque. Bon, regarde, comment? Je vous explique. On revient encore sur une question. C'est très intéressant parce que c'est de cela dont le peuple a besoin. Exactement. Pour qu'on puisse savoir est-ce que je suis important ou je suis influent. Oui, parce que l'influence, c'est là où il y a le nez du problème. Mmh. Vous dites influent ou important. Mmh. Mais tout dépend devant qui vous êtes. Et qui dépend de, tout dépend de devant qui vous êtes. Tout dépend de ce que vous apportez. Parce que je vous donne un cas. Pablo Escobar, que vous connaissez d'ailleurs. Ben, il était très influent dans son milieu. Terriblement influent. Uh-huh. Il faisait des choses dans son coin. Uh-huh. Il vendait de la drogue. Uh-huh. Mais il faisait scolariser des gens, il aidait beaucoup de personnes, il faisait des dons, des dîmes, bref, il faisait ça. Mmh. Et quand on venait l'arrêter à tout moment, c'est le peuple qui empêchait son arrestation. Ouais. Alors, vous avez Barabbas, par exemple. Uh-huh. Quand on l'a arrêté, Barabbas a gagné Christ aux élections. Donc, Christ n'était pas aussi populaire que ça. Parce que lors de l'élection, Barabbas avait gagné, avait remporté. On a même demandé qu'on crucifie le Christ parce qu'il était pris comme un désordonné, comme un trouble fait et tout. On a préféré l'autre. Alors, vous dites Étienne Tshisekedi. Les gens peuvent dire, mais Étienne Tshisekedi ne pouvait parler qu'à ce peuple. C'est le peuple qui l'écoutait. Mais à l'autre côté, le gouvernement, bon, s'en foutait de lui. Il se passait. On l'a dit plusieurs fois, il est arrêté, résident surveillé, relégué, torturé, humilié parfois. Ouais. Alors, je voudrais savoir à quel degré vous situez l'influence et l'importance. Je vais dire, les exemples que tu donnes, les explications que je donne, convergent sur le point que l'influence, quand nous la définissons, ce n'est pas seulement en fonction de ce qui est bien. Les uns sont influents dans le mal, les autres sont influents dans le bien. On est bien d'accord. C'est ça l'idéal. Okay. L'idéal, c'est-à-dire, on montre aux gens tous les champs et on dit aux gens de choisir ce qui est bien. Okay. Maintenant, la différence, surtout là, c'est de dire que ces gens-là que nous citons, soit ceux qui ont influencé dans le mal ou ceux qui ont influencé dans le bien, c'était dans l'être. Maintenant, ceux qui se font importants, c'est-à-dire un homme influent et les deux à la fois. Ça veut dire quoi? Il est influent et il est en même temps important. Oui. Tandis que l'inverse, pour cela à qui nous donnons seulement l'image de ce que à le voir, je pense que ça doit être quelqu'un qui... Vous savez, il y a des gens, juste par son apparence, tu penses qu'il a l'argent. Et vous entendez même les Kinois, ils disent « Ah, Akimangungu Apamba, Zokande Nakate Loko Ezate » qui signifie quoi? Il n'y avait que l'apparence. C'est ça, celui qui s'est fait important, mais du reste, à l'intérieur, c'est une caisse vide. Donc, un influent a, même l'apparence peut être un peu, mais de l'intérieur, ça pèse plus.
Mais vous aussi, dans votre secteur de Dieu, parlons-en quand même. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont influencé les gens. Mm-hmm. Mal. Je me rappelle qu'à l'époque, vous priez bien. Mm-hmm. Je vais dire bien par rapport à moi, bien sûr. Vous priez bien, vous étiez bien, et ainsi de suite. Et puis, lorsque la vague américaine est arrivée, vous avez voulu faire comme les Américains. Vous avez été influencé par eux. Jeter les mouchoirs, crier dans le micro, alors que vous avez un micro, vous avez des baffes, mais vous criez, vous transpirez. Et ça a finalement modélé la pensée des gens. Et même nos enfants répètent ça. Vous allez voir des petits-enfants de 5 ans, 6 ans, quand ils prient, ils ont tendance à crier. Alors à un moment donné, on se dit, mais est-ce que prêcher veut dire crier? Et si on remonte, on trouve que ça vient des États-Unis, ça vient de l'Occident, faire des miracles, ainsi de suite. Et à trois niveaux comme ça. Le premier niveau, c'est celui-là. Le second, on a vu les pasteurs étaient bien s'habiller, faire beaucoup plus attention à leur vestimentaire. Ils s'habillent bien, ils doivent rouler carrosse, ils doivent avoir des jets. Le matériel, vous a encore une fois, emporté. Et du coup, tous les pasteurs sont définis comme ça. Il faut là, t'as bien, azalanda quoi bien, azalamala. Et puis, la troisième catégorie des pasteurs, c'est les miracles maintenant. Donc, pasteur, évêque, si vous ne guérissez pas les malades, vous n'êtes pas un bon pasteur. Il faut faire le plein. Une salle de 1000, 2000, 3000. Si vous n'avez que 20 personnes, personne ne fait attention à vous. Et on a associé le salut au nombre de gens à l'église. Est-ce que c'est vers ça que Christ vous a appelé? Est-ce que c'est ça le leadership selon Christ ou c'est le leadership made in America, made in London? Oui, sur ce point... Vous avez tout votre temps. Je vous écoute et puis nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent. C'est là que j'aime tes émissions parce que ça fait réfléchir. Merci. Et c'est, on doit être capable d'expliquer aux gens pourquoi nous faisons ceci, exact. Pourquoi nous faisons cela. Dans ce que tu as dit, il y a même l'apôtre Pierre qui a dit, ça c'est pour les hommes de la Bible, que parfois notre ami Paul a des messages compliqués, que des gens mal instruits, alors ils tordent l'essence. Dans notre monde, comme pasteur, tu demandes, est-ce que ce sont les miracles qui sont l'objectif? Est-ce que c'est le vestimentaire qui est nécessaire? Est-ce que c'est la foule? C'est la foule qui peut être nécessaire. Je vais dire aux uns et aux autres que la Bible dit, celui qui a fait le dedans est le même qui a fait le dehors. Et Dieu lui-même a dit dans sa parole que celui qui ne prend pas soin de ce corps, qui est le temple de l'esprit, Dieu n'aime pas des choses pareilles. Quel était notre devoir comme leader chrétien ou les pasteurs? C'est d'expliquer aux gens que la vérité est que les gens qui te suivent ont besoin de voir un modèle. Et le modèle ne peut pas être seulement. Ne peut pas être seulement. Ça veut dire quoi? Tu es saint, tu crains Dieu, tu marches dans l'honnêteté, et donc tu marches à lambeau, comme qui on interprétait mal le verset qui dit « Heureux les pauvres, car ils verront le royaume des cieux ». On doit dire non, non. Il faut, comme disait un prédicateur, que quand quelqu'un n'a pas eu encore beaucoup d'argent, sa sainteté, je ne suis pas très sûr. Il faut mettre ça sous réserve. Sous réserve. Parce qu'il n'a pas été tenté. Ah, voilà. Il faut que cet homme-là, qui n'avait pas d'argent, qu'il ait maintenant l'argent. Cet homme-là, qui n'a jamais goûté au pouvoir, qu'il ait maintenant le pouvoir. C'est là qu'on saura s'il est véritablement chrétien. Ça, c'est une chose. Nous, en tant que leaders, nous sommes les modèles, et ce modèle doit être expliqué pour qu'elle ne soit pas mal compris. C'est ce qu'un de nos conférenciers, en l'occurrence l'honorable président Godin Poy, a parlé du savoir. Que quand vous voulez donner à quelqu'un quelque chose, c'est mieux de lui donner d'abord le savoir. Qui signifie quoi? Tu es parti en Amérique, tu as trouvé les gens qui ont des églises propres, les gens qui ont qui s'habillent bien quand ils viennent prester. Bon, c'est vrai, tu es venu, immédiatement, tu t'habilles bien, félicitations, nous sommes d'accord. Mais ne dis pas que c'est tout. Explique aux gens. C'est là, si tu te rappelles, quand nous parlions de la conférence avant sa tenue, je dis que les informations que nous donnons doivent d'abord être assimilées et puis pratiquées. Il y a des choses, nous devons les reconnaître, que parfois nous avons pratiqué sans que nous puissions les assimiler. L'assimilation, c'est ce que Jésus même a enseigné.
que si quelqu'un écoute la parole, s'il ne la comprend pas, l'ennemi peut venir voler cela. Les foules, il n'y avait pas un homme de foule comme Jésus. Parfois même, Jésus haranguait des foules de manière que pour l'arrêter, les gens avaient peur de la foule que Jésus avait. Mais Jésus n'était pas lié par la foule. Il a demandé à la foule de s'asseoir d'abord. Voilà. Et là, le leadership nous enseigne que tu ne peux pas diriger les gens ou guider les gens en étant dans la foule. Tu dois sortir de la foule et tu sauras les diriger. Qui signifie quoi? Le leader, ce n'est pas la queue qui bouge avant, mais c'est la tête qui bouge avant. Comme qui dirait que c'est la foule qui suit les leaders. Qui suit les leaders, voilà. Quand le leader se tape la poitrine à cause de foule, c'est que lui est suiveur de foule. À ce moment-là, ça peut être un fait du hasard. C'est un signe d'influence comme nous en parlions. Ce n'est pas en fonction de ce que j'ai fait aujourd'hui que je deviens influent. C'est en fonction que j'ai fait, que je fais, que je continue de faire, que se définira mon influence. Donc, c'est une question de mentalité, de conception. Et de il faut définir l'influence dans le temps et non pas dans une action. Est-ce que la foule séduit Christ ou c'est la qualité des convertis qui le séduit? C'est la qualité, c'est-à-dire quand on a communiqué. Quand la chose n'a pas été bien communiquée, c'est pourquoi toutes nos foules, vous les avez le matin, et puis le soir, ça vous quitte. Et c'est ce que Jésus a dit à la foule, que mais vous tous là, les pains, ainsi de suite, tout le monde est parti. Comme lui, ce n'était pas la foule en premier, c'était le changement de l'homme. Il a dit à Pierre, mais et toi, tu es resté, tu peux partir aussi avec les autres. Mais Pierre lui dit, moi je ne suis pas avec toi à cause du pain. Je suis avec toi à cause de ce que tu m'as enseigné. Et donc, je vais dire que nous, comme leaders, prenons du temps à enseigner le peuple. Quand nous enseignons, j'ai donné l'exemple de Nelson Mandela qui disait que je bénis mon père parce qu'il m'a donné ce que lui n'avait pas. Qu'est-ce que son père n'avait pas? Son père n'avait pas l'éducation que lui a eue. Et ainsi, il dit, à cause de l'éducation que j'ai eue, parce que j'ai eu autant d'informations de comment le monde fonctionne, je suis capable de faire des choses que mon père n'a pas fait. Donc, nous tous comme leaders, travaillons de manière à enseigner, à faire comprendre aux gens qui nous suivent le pourquoi nous faisons et comment nous les faisons, et ça va les éclairer. Mais ce que vous devez retenir, Christian, le leader voit avant les autres et le leader ne voit pas comme les autres. Si le leader veut commencer à voir comme la foule, automatiquement il perdra son influence sur son leadership et ça va diminuer. Donc il faut du caractère. Il faut du caractère. C'est là que je disais que dans le leadership, il y a le fondamental. Ça c'est le premier degré auquel il ne faut pas rester seulement là-bas. Tu y as eu la vision, tu y as mené les actions, tu y as eu les résultats et tu restes là. Non, il faut être capable d'aller au-delà de ce que nous avons appelé le leadership adaptatif. Dans ça, il y a quatre éléments fondamentaux. Oui, dont nous avons, par exemple, l'intelligence émotionnelle. Donc, la personne dans l'intelligence émotionnelle, nous avons des éléments majeurs. Un, c'est savoir que tu te comprennes toi-même. Si tu ne sais pas être, avoir la connaissance de soi, automatiquement, tu auras la problématique pour aussi savoir l'autre. Deuxième élément, c'est la conscience sociale. Dans la conscience sociale, c'est là où la gestion des relations a un pouvoir extraordinaire. Et le deuxième élément ou le deuxième cadran de ce que nous appelons le leadership adaptatif, nous avons ce que l'on appelle la justice organisationnelle. Dans la justice organisationnelle, c'est ça, ce qui pose parfois problème dans nos entreprises. Ton petit frère ne connaît rien du protocole. Alors, si tu veux qu'il le devienne, envoie-le se former comment quelqu'un peut faire bien le travail. Ou si tu as des gens qui sont chevronnés dans la matière, mets ton petit frère à la formation, qu'il apprenne comment le faire et il te servira de la bonne manière.
Mais si tu mets ton petit frère, la seule qualité qu'il a pour être à côté de toi, c'est parce qu'il est ton petit frère. Tu combats toi-même ton leadership sans le savoir. Tu vas crier que les gens te combattent. Non, c'est toi-même par les décisions que tu as prises. C'est ça ce que nous appelons la justice organisationnelle. La matière est abondante, je ne sais pas entrer dedans. Oui, il y a le troisième cadran, c'est le caractère. Donc le leader est appelé de se forger un caractère qui peut faire, le vent peut souffler, mais il demeure. On peut même lui enlever la portion du pouvoir qu'il a, mais il continue d'être lui sans vaciller. Ça, c'est le caractère qui est basé sur l'intégrité. Donc, un homme intègre, s'il te dit oui, c'est un oui. Pas que le... sa parole, il tient. En tout cas, il tient à sa parole, il a difficile de s'en départir, à moins que l'environnement, pour la mise en application de sa parole, ait changé. Là, ça ne dépend pas de lui parce que le leader, il y a des éléments qui sont internes que l'on contrôle et les éléments externes dont on n'a pas assez de contrôle. Quatrième élément, c'est le développement. Le leader est appelé à se développer lui-même. Mais tu es leader là où tu es, je ne sais pas quel niveau de leadership tu te trouves. Est-ce que tu te développes toi-même? Si tu cesses de te développer toi-même, sache que ta capacité de diriger, tu vas plus diriger avec les expériences d'hier, du reste, qui ne peuvent plus s'adapter aujourd'hui qu'en partie. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses qui ont changé. Tous les paramètres intégrés et tout ça. Voilà. Et dans le développement, parce que c'est le quatrième cadran du leadership adaptatif, nous avons le développement des autres. Donc un leader n'est pas celui qui ne pense que moi. Un leader est celui qui pense aussi les autres. Tu te développes, fais en sorte que les autres aussi puissent se développer. À ce moment-là, tu vas t'adapter et tu resteras. Ton influence durera et dans le temps et dans l'espace. Alors, très bien, on a vraiment compris cette façon de voir les choses, mais je voudrais qu'on avance parce qu'il nous reste encore, je crois, 10 minutes, quelque chose. On peut encore évoluer un tout petit peu pour parler du troisième intervenant. Le savoir, on a compris le sens, vous avez expliqué, c'était le passage président de l'Assemblée provinciale, Godin Poï. Alors, le troisième intervenant, c'était qui? Et c'est moi-même, parce que nous avons plus parlé de ce que l'honorable Peter a dit ce que l'honorable Godet a dit, et puis moi-même j'ai parlé sur tous ces éléments. Ah, okay. Voilà, bon, il y a eu un quatrième qui est intervenu d'une façon circonstancielle, c'est le professeur David Loubo, il est de l'université de Kinshasa, dans le département de sociologie. Lui a parlé sur la gestion des conflits. Là, il a montré que les conflits, parfois, même quand vous ne les voulez pas, ça peut s'inviter chez naturel, vous. C'est naturel, les conflits. Alors, je reviens avec vous pour terminer cette émission. Revenons un peu sur l'Église, je ne sais pas si ça va vous gêner, mais parlons-en quand même. Vous êtes évêque aujourd'hui et nous le constatons. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat, mais le constat que moi j'ai fait et que la société est en train de faire, c'est que l'hypermédiatisation des conflits des pasteurs. Je ne comprends pas. Peut-être vous comprendrez mieux que moi. À partir de quel moment un pasteur vient régler le problème d'un autre pasteur à la télévision, soit à la chaire? Je me pose une question. En quoi est-ce que les fidèles sont intéressés lorsque vous réglez le compte à un pasteur? Est-ce que vous prêchez à vos fidèles la haine des autres pasteurs, le mépris des autres pasteurs? Est-ce que vos fidèles prennent-ils le goût de suivre ça? On a tout vu. Hein. On a vu un pasteur chanter dans l'église, Kabila Kouéi, Nanya Kouéi. On a vu dans les églises parler du football, parler de la boxe, parler de tout. Je voudrais savoir, le bénéfice de l'âme, des âmes de Dieu, se trouve où dans tout ça? Il semble que le leadership s'occupe plus de ce qui est important que de ce qui est accessoire. C'est sur ce point, en tout cas, Christian, avec toute la connaissance et l'intelligence que je te reconnais, j'ai dit, bon, si déjà tu dis, est-ce qu'un pasteur peut-il venir régler les comptes
aux autres à la télévision. Ou à la chaîne. Bon, maintenant, si moi je réponds à cette question, c'est comme si je fais ce que les autres ont fait. Je viens maintenant à la télévision pour régler le compte à mes amis. Non, non, je ne le ferai pas. Je dirais seulement que, bon, nous les pasteurs, nous les leaders, ce que nous faisons, ce que nous disons, nous avons une influence sur une partie de la population. Nous devons toujours veiller beaucoup à nos paroles, à nos actes et un peu dans l'ensemble, mais je ne veux pas aller dans le détail comme Christian voudrait que je puisse parler. Non, c'est juste une question. Voilà. Alors, une autre question, toujours dans le même cadre. Uh-huh. Quelle est la qualité, la véritable qualité d'une église? Le nombre, la qualité des convertis, la qualité des connaissances partagées, la qualité du message? C'est quoi la véritable qualité d'une église? Bon, comme j'enseigne sur le leadership, tu ne m'as même pas demandé, dans tout ce que l'on fait là, quelle est la suite? Est-ce qu'on est venu, on a parlé, ça, on ça a... Ça arrivera à la fin. Ça arrivera à la fin. Question, ouais. Ça, la qualité d'une bonne église... Elle se reconnaît comment? Celle qui est biblique. Voilà la bonne église. Ouais, mais les synagogues sont bibliques aussi. Hein. Les synagogues... Sont bibliques aussi. Non, non. Et les synagogues ne sont pas trop bibliques. Ah, c'est basé sur les Torahs. Vous dites trop. C'est basé sur les Torahs. Les termes synagogues, on trouve dans la Bible. Dans la Bible. Oui. C'est, bon, non. Dans la Bible, quand on parle des synagogues, c'était le lieu où on venait enseigner la loi de Dieu. Oui. Et Jésus, à cette époque-là, parce que la Bible, partie Nouveau Testament, oui, n'était pas encore mise sur papier. Et donc, il allait là-bas où on lisait la loi de Moïse. Et si vous voyez... Quand il prenait lui parole, il lui disait tout ce qu'il y a été dit là, la vérité, la réalité est maintenant en moi. Il y a même, j'ai reçu une personne qui me dit j'étais chrétien, mais un monsieur qui nous a enseigné Christ, finalement il a dit il a eu une autre révélation, c'est juste nous enseigner les Torahs et donc nous enseigner la loi mosaïque, un point, un trait, et Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas... Il a raconté des choses. Je lui ai dit, bon, est-ce que je peux prendre l'Ancien Testament qui vous fait lire? Quand je lui ai montré ce qui est dit dans l'Ancien Testament depuis Genèse, je suis allé avec lui en passant par Ésaïe, et quand j'ai voulu traverser le Nouveau Testament, tout ce qu'il a reçu est tombé. Et il a dit, papa, kukendukut musikate na comprendre. Qui veut dire quoi? Il y a des gens qui utilisent... la Bible sans la connaître. Et nous les appelons en termes théologiques comme une antilope qui se retrouve dans les étagères de porcelaine. Vous savez, les assiettes en porcelaine, quand l'antilope entre, l'antilope est habituée à se frotter contre les bois dans la forêt et l'antilope va penser que je vais me frotter contre les étagères. Or, les étagères ont des assiettes en porcelaine. Dès qu'ils se frottent un peu, automatiquement, les assiettes tombent, ce sont des casses. C'est ce qui arrive parfois si la Bible est enseignée par des personnes qui ne la maîtrisent pas. Toute chose, nous disons, il est normal, il est important, cher pasteur, si tu n'as pas eu le temps de te former, non, prends seulement le temps, tu es déjà pasteur. Trouve la possibilité de te former et tu comprendras mieux les versets que tu as lus hier, que tu avais dit, c'est la pire doctrine, et tu comprendras que tu es en train de véhiculer les opinions comme si cela était des doctrines qui peuvent amener les gens au salut. Est-ce que les doctrines amènent les gens au salut ou c'est la foi qui amène le salut? La doctrine, c'est ce qui peut, c'est-à-dire la doctrine christocentrique, par exemple. Oui, ça amène quelqu'un au salut. Mais tandis que les dogmes n'amènent pas des gens au salut, ce sont les affaires des humains qui ont collectionné certains principes et ils ont donné des valeurs aux gens. Et partant de ces valeurs, ils ont pensé que ces valeurs peuvent les sauver. Les valeurs ne peuvent pas sauver. Les valeurs peuvent te donner la qualité morale de la vie, mais tandis que Christ, sa doctrine peut te donner la vie de Dieu en toi et c'est ce qui t'amène au salut. Alors, c'est vrai que c'est un autre débat, c'est une très grande parenthèse, on en fera un autre jour dans une émission beaucoup mieux élaborée. Mais vous avez fait des conférences, maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qui va venir après? Est-ce que vous prévoyez faire autre chose? Quand? C'est quoi les rendez-vous?
Le rendez-vous, le premier, quand nous avons enseigné, il y a eu plusieurs questions qui venaient. Nous avons mis en place un cadre de coaching. Le coaching, vous savez, quelqu'un peut dire, mon coach se retrouve, je ne sais pas, l'île Maurice, mais un coach que tu n'as jamais vu, un coach qui n'a jamais vu ce que tu fais, comment est-ce qu'il va te coacher? Voilà pourquoi nous avons mis un cadre de coaching. J'ai dit aux conférences, enfin, à ceux qui étaient présents, que je suis un conférencier multidisciplinaire. Et certains ont dit, est-ce que quelqu'un peut être multidisciplinaire? J'ai dit, oui, oui. Jésus a dit, nous avons différentes capacités. Et même dans la quantité, les uns en ont cinq, les autres en ont trois, et les autres en ont un seul. Et donc, je peux coacher quelqu'un en matière de management, soit management économique, et puis je peux coacher quelqu'un en matière de leadership, soit leadership ecclésiastique, leadership politique. Je peux amener des informations importantes qui peuvent faire quelqu'un dans ce qu'il fait. Il peut devenir meilleur. L'objectif, c'est rendre les autres meilleurs. Ça, c'est le premier élément. Donc, si tu es à la conférence, ce que nous avons dit t'a intéressé, tu as eu un certain nombre d'informations, tu veux les assimiler et bien les pratiquer, nous sommes disposés à t'apporter notre part dans le coaching. Et la deuxième chose est que c'était une édition, la conférence, nous ne pouvons que la tenir une fois l'an. Allez. Et alors, parce que il faut attendre l'année prochaine pour la nouvelle conférence, il y a quelque chose d'intermédiaire. Nous prévoyons au mois de juin le Leadership Symposium. Et donc, le Leadership Symposium au mois de juin, prenez déjà date, c'est le 12 juin, ça va être un jour seulement. Et nous ferons 5 heures du temps ensemble. Et là, je vais amener encore de nouvelles informations. Pourquoi je les appelle informations? Parce que je ne suis pas le seul détenteur de toutes les vérités. J'amène la partie de ce que je connais, je mets cela à votre disposition. Et à ce moment-là, soyez préparés que nous les ferons et les gens auront la possibilité de poser des questions et nous répondrons à ces questions et ça va être encore un moment utile pour notre développement en termes d'intelligence, notre développement en termes de caractère, parce que le caractère se forge aussi en fonction des informations reçues qui peuvent aider la personne à se modeler. Alors, vous avez compris tous que c'est une suite logique maintenant, donc désormais on aura une édition par an et une sorte d'intermédiaire au mois de juin. Ça va se passer comme ça. Alors, évêque va terminer, le numéro de contact, comment on fait pour vous joindre? Ceux qui veulent rester en débat, avoir le coaching, comment ils vous appellent? Comment ils vous appellent? Ils peuvent nous appeler 081 194 88 4. Je me répète, 081 194. Qu'est-ce que je dis? Mes excuses, les amis, je vais appeler ça autrement. 081-149-4884. Je me répète. 081-149-4884. Comme qui dirait 081-14-94-88-4. Je suis évêque Ejiba Yamapia Evariste. Je suis représentant légal de l'église pentecôtiste des secouristes à Rigini, 6 avenue Wenge, numéro 18, notre culte, tous les dimanches, de 8h à 10h30. Venez et nous serons contents de vous compter parmi les nôtres. Vous voulez le coaching, appelez à ce numéro et nous vous donnerons les informations utiles. Ne manquez pas de prendre cette date, le 12 juin, symposium leadership. Et ça va être bon pour nous donner encore des informations supplémentaires pour notre développement et notre formation de caractère. Christian, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de partager ces moments assez instructifs. Vous avez certainement appris beaucoup sur le leadership. Je crois que, comme j'ai dit et je vous dis encore, je vous accompagnerai encore une fois le 12 juin et dans toutes les autres activités que vous allez
finalement faire. Comptez sur Congo Buzz, on sera avec vous. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve très prochainement. Si vous parlez leadership, vous connaissez le leadership, vous avez besoin de parler, eh bien, le plateau est là. On va discuter sur des questions parce que je pense, comme l'évêque l'a dit, c'est des questions essentielles. C'est de ça qu'il faut finalement parler aux gens. Ça nous éviterait beaucoup et ça nous évitera beaucoup de choses, beaucoup de conflits inutiles, beaucoup d'ignorance, parce que beaucoup de choses que nous disons, c'est généralement basé sur la sous-information. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les réalisés. Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis Congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons. De cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road freight, le routier. Quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts, Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall, et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez, including, donc nous, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Loye Mbolo Nende Yalisa.